Il s'avère nécessaire de souligner, en préambule à l'exposé qui va suivre, que celui-ci est destiné non pas à l'homme de la rue, qui ne se pose pas de questions sur le sens de sa vie et sur le mystère de la création, mais à des aspirants sérieusement engagés dans une voie spirituelle. Vu la précarité des conditions dans lesquelles l'être humain se trouve continuellement placé, on ne peut que s'interroger sur le but de cette création qui semble n'avoir d'autre fin que de vouloir se perpétuer à tout prix. Peut-être que, contrairement aux autres créatures, est-il demandé à l'homme de chercher à se libérer de l'exigence de ses pulsions sexuelles afin de parvenir à comprendre l'énigme de sa mystérieuse apparition dans cette forme d'existence et ce qui se dissimule derrière les apparences tangibles. En plus de son aspiration insaisissable d'ordinaire pour une existence sensorielle qui l'incite à prendre naissance dans un corps physique, l'homme a également besoin de son enveloppe corporelle pour, d'une façon étrange, s'y cacher. Car, à cause de son esprit empli de confusion et de ses imperfections morales, il ne peut supporter qu'on lise ses pensées ni d'être vu tel qu'il est réellement. Mais tout en lui offrant la possibilité de masquer aux autres la non-véracité de son être, son corps devient par là même sa prison. Force est de constater que non seulement l'aspect sexuel de la nature gouverne et manipule avec la ruse la plus subtile tous les êtres vivants, mais il leur impose sa volonté avec une puissance qui s'avère véritablement écrasante et impressionnante au plus haut degré. C'est en effet principalement la force sexuelle qui domine l'existence terrestre de l'homme. Elle l'aveugle et l'empêche de découvrir un autre monde qu'il porte en lui, un monde céleste qui se situe au-delà du temps et de l'espace, grâce auquel il peut devenir libre de toute dépendance à l'égard des stimulations extérieures pour pouvoir sentir son existence. Afin d'être mieux aidés dans leur lutte spirituelle, il faut que les chercheurs se donnent la peine d'approcher ce problème avec un esprit profondément interrogateur pour en arriver à considérer pleinement leur situation devant cette force implacable et reconnaître que, sans qu'ils ne le réalisent d'ordinaire, tous les êtres humains sont, dès le départ, programmés par la grande nature pour n'être que des instruments de reproduction. Et pour être sûr que son dessein aboutisse sans être mise en question, elle a implanté en leur être un désir ardent et démesuré pour le plaisir sexuel, un plaisir qui, à son apogée, peut être qualifié d'extase physique, la plus haute et la plus mystérieuse que des hommes et des femmes incarnés puissent éprouver.
comme les hommes et les femmes de ce monde n'ont la plupart du temps effectué aucune pratique spirituelle, ils ne peuvent pas remarquer qu'ils n'approchent leurs semblables que depuis la surface de leur être. Sans en avoir conscience, ils se servent les uns des autres en vue de satisfaire leur intérêt personnel de l'instant qui est instable et changeant. Sous la pression d'une passion sexuelle aveugle, l'homme de commun ne se rend pas compte qu'il prend le désir physique, qui ne peut être éternel, pour de l'amour véritable. Une croissance spirituelle véritable ne peut s'accomplir en l'homme et en la femme si leur union n'est édifiée que sur les fondations chancelantes et éphémères d'une attraction sexuelle aveugle. En peu de temps, les deux partenaires s'apercevront que leur passion perd inévitablement ses feux premiers. Ils se retrouveront alors vides l'un en face de l'autre, sans rien qui puisse créer entre eux un lien valable, un lien qui aurait pu devenir une force et un soutien précieux pour le reste de leur existence sur ce globe, avec tout ce que cette forme de vie peut leur emmener comme problème inattendu, comme danger et comme incertitude du lendemain. Comme dit précédemment, l'étude sérieuse de la psyché et de la manière de penser de l'homme de ce monde révèle qu'il passe, peut-être sans exagération, la plus grande partie de sa journée préoccupé consciemment ou inconsciemment par l'aspect sexuel de sa nature. S'il commence à s'éveiller un peu de ce mystérieux sommeil diurne qui le caractérise et dans lequel il passe sa vie entière à son insu, il sera surpris de constater le nombre de pensées peu souhaitables relatives à la sexualité qui lui traverse furtivement l'esprit et à quel point elle constitue un fléau sur son chemin, l'empêchant de se livrer à une activité plus valable pouvant apporter un sens à son existence et le combler. Il se peut qu'un chercheur non avisé qui vient de se lancer dans une voie spirituelle soit surpris et même choqué de s'entendre dire que, depuis l'instant où ses yeux se sont ouverts au monde des sens, il était programmé par la grande nature pour n'être qu'un instrument de reproduction et que tant qu'il demeure tel qu'il est, asservi à ses pulsions sexuelles, il ne peut servir à rien d'autre qu'à la perpétuation de l'espèce. Pour éviter tout malentendu, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de mépriser ou de refuser aveuglément une fonction naturelle qui a sa place dans la création, mais de la comprendre afin de pouvoir mieux connaître ce à quoi l'on veut réellement consacrer sa vie. Si l'aspirant, qu'il soit homme ou femme, est marié, en comprenant ce qui est en jeu pour lui dans sa recherche de l'aspect divin de sa double nature, il doit essayer de préserver sa ou son partenaire des conditions et des influences pouvant s'avérer hostiles à sa sadhana,
sa quête spirituelle. De cette façon, sans nécessairement le réaliser, chacun se protégera et sauvegardera ainsi son propre épanouissement spirituel. Cette attitude doit s'appliquer à leur union physique également. Rien ne doit être fait en ce domaine qui puisse avoir par la suite un effet perturbateur sur l'être de l'autre et détourner son attention de là où elle doit être centrée et maintenue. Un chercheur engagé dans une voie spirituelle doit comprendre qu'il est absolument impossible pour un homme de s'élever à des niveaux supérieurs de sa conscience et de son être et de commencer à servir un but plus élevé dans la vie que celui qu'il a poursuivi jusqu'alors s'il ou elle est encore enchaîné d'une façon ou d'une autre à des impulsions sexuelles incompatible avec une aspiration spirituelle. En raison de la tendance inhérente à la nature de l'être humain à toujours vouloir répéter, repenser et refaire ce qu'il a dit, pensé et fait auparavant, l'acte indigne, le plus anodin, peut éveiller en lui le désir de le reproduire. Or, plus il est répété, moins il est mis en question. Il devient finalement une habitude cristallisée en lui qui aura de graves conséquences dans sa vie spirituelle, lui rendant vaine toute lutte en ce domaine. Si l'esprit d'un homme est sans cesse obscurci par des désirs non profitables, celui-ci sera beaucoup trop préoccupé par le besoin de les satisfaire pour être disponible intérieurement afin de pouvoir tourner ses pensées vers un but plus élevé que celui d'une existence quasi animale dans laquelle il ne peut qu'être esclave de lui-même et de ses appétits physiques. Il est vital pour l'aspirant de comprendre que tous les désirs, sans exception, trouvent leur origine dans le mental et que, par conséquent, tous les actes sont inévitablement précédés par des pensées les concernant. Sans que l'homme de commun ne le réalise, son attention constitue le trésor le plus précieux qu'il possède. Lorsqu'un homme laisse son attention être attirée et retenue par une chose quelconque, sans qu'il n'en soit conscient, il la place entre le sublime et lui-même. Et au fur et à mesure que le temps passe, il finit par devenir trop identifié et attaché à cette chose, qu'elle soit un objet de plaisir ou un être humain. Elle devient ainsi un écran entre le sacré et lui-même qui l'aveugle et ne permet pas à la lumière divine de l'atteindre et d'éclairer son être.